Ok, donc ouais, mais on voit rien là, putain. On voit R. Je sais pas si je mets. Je me demande si t'auras toujours tes cheveux, déjà. Ouais. Parce que tes cheveux, ouais, c'est comme un peu ta marque de fabrique, je sais pas. Enfin, ça, c'est des questions un peu con, hein, que je me pose. Je sais pas si t'auras toujours tes cheveux, je sais pas si t'auras toujours ton anneau. Peut-être qu'à 40 ans, il faudra peut-être que tu l'enlèves quand même. C'est pas très propre. Sais pas si t'auras une vie de famille pépère, tranquille, avec une belle maison, un bel abonnement chez Télérama. J'espère pas en fait. J'espère que tu auras profité de tes parents. Parce que tu les aimes et que tu leur montres peut-être pas assez. Je sais pas si tu auras. Si tu te. Si, si. Ah ouais, si. Je sais pas si tu auras réalisé la promesse que tu avais fait à ta maman, en lui disant que tu offrirais un voyage aux États-Unis, tu avais dit que tu lui achèterais un appartement, tout ça. Ouais. Bon, je pense qu'elle a déjà oublié, hein. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir, hein. En tout cas, j'espère que tu seras fier de ce que t'es devenu. Parce que pendant super longtemps, t'as pas été fier de ce que t'étais et c'est dommage. Parce que je pense que t'es quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, tu t'es attardé sur trop de trucs qui avaient pas d'intérêt. C'est des complexes qui étaient pas justifiés, qui n'était pas vrai. Faut juste que tu t'acceptes comme t'es en fait. Et t'as encore un peu de mal. Et alors que t'es ce que t'es, quoi. Et que sincèrement, je pense que t'es quelqu'un de bien. Et j'espère que tu seras toujours quelqu'un de bien. Il faut que tu travailles là-dessus, à t'accepter. Et faut que tu travailles aussi à apporter une attention particulière aux gens qui t'entourent, à tes amis, parce que t'en as déçu quelques-uns, et ça t'a fait du mal, et ça leur a fait du mal, et que c'est pas ce que tu voulais. Mais ouais, faudrait que tu travailles là-dessus aussi, que tu te dises que il y a des gens qui t'aiment, et qu'il faut que tu leur montres davantage que toi aussi tu les aimes. Parce que c'est grâce à ces gens-là que t'es devenu ce que t'es aujourd'hui. C'est eux qui t'ont construit, qui t'ont forgé. Et faudrait que tu les remercies plus souvent. Mais je te fais confiance. Parce que je sais que ouais. T'es déterminé à changer. Donc ouais, je te fais confiance là-dessus. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.